Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Coucou à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle, abonne-toi d'abord. Like, laisse-moi un commentaire. Surtout, partage ma vidéo pour que d'autres personnes aussi comme toi puissent voir cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au gel d'aloe vera. Quel gel d'aloe vera j'utilise? Pourquoi il est important pour une femme comme un homme d'utiliser l'aloe vera? Toute femme doit utiliser de l'aloe vera sur sa peau chaque jour. Je vais vous donner mes raisons. Aujourd'hui, on va s'intéresser au gel d'aloe vera. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouvelle sur ma page. Surtout à me laisser des likes et des commentaires. Aujourd'hui, je vous parle avec un cœur ouvert. Je n'ai pas préparé un test pour vous décrire ce que c'est que l'aloe vera. Je vais vous donner mon avis quand j'utilise l'aloe vera. Je peux dire, ma peau mange de l'aloe vera. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi je le dis. Restez connectés. Donc, aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, je me suis levée le matin. Je voulais faire ma routine de visage. Voilà, j'ai une vidéo sur YouTube par rapport à ma routine de visage. Je voulais faire ma routine de visage. Voilà, j'ai utilisé le gel aloe vera que j'utilise sur mon visage. Quand j'utilise l'aloe vera sur mon visage, chaque jour que Dieu a créé avec du curcuma, mais au lieu, je fais mon masque. Donc, c'est pour ça que vous allez voir sur mon visage, j'ai l'effet, voilà, très lumineux. À cause des masques de chaque jour. Donc, je vous invite à aller sur ma playlist et regarder la vidéo sur ma routine journalière. Ça peut vous orienter au fait. Et ensuite, j'ai cette habitude de mettre de l'aloe vera sur mes seins, sur mes cuisses. Voilà, c'est l'été. Voilà, il faut que la peau soit très bien hydratée pour pouvoir porter des culottes, des mini-jupes. J'adore puisque j'ai de très belles jambes. Donc, en bas de mes fesses, donc je voulais mettre l'aloe vera. Et là, je me rends compte que la majorité de mes aloe vera sont finies et qu'il me reste juste un tube. Parce que moi, j'utilise l'aloe vera chaque jour sur mon corps. Moi, je blague pas avec. Voilà le premier gel aloe vera qui est fini. Baléa, j'ai dit ok. J'avais acheté deux. Je cherche encore l'autre. C'est ça ici. Les deux sont finis. Ça sont les produits aloe vera. 90% de l'aloe vera des magasins DM. Parce que quand on regarde une fille claire, on se dit qu'elle fait le Jiangsang jusqu'à. Alors que moi, en journée, voilà ce que tu dis sur ma peau. Regardez vous-même, c'est fini. Je fouille mon tiroir parce que j'ai tout un tiroir des produits là. Je ne veux pas entrer. Je vous dis là où j'ai acheté ma perruque. Hein. Voilà, je vous dis après. Perla Bio Nature. Ma perruque, elle est tellement jolie. Je vais vous mettre le lien après. Là, vous allez. Son truc, son numéro, sur Instagram. Donc, continuons. Donc, moi, j'utilise aussi de la marque Betty sur mon corps. Les magasins à Sion. Regardez vous-même. C'est fini. Vraiment, c'était la fin de ma vie. Aujourd'hui, j'étais vraiment dépassée. Et là, je me suis rappelé que j'avais encore une boîte de la marque Isana, des magasins de Rossmann. Voilà, ça coûte peut-être 2 euros maximum, hein. 90% aussi. Et je me suis dit, Dieu merci. Voilà. Dieu merci. J'ai encore mon gel aloe vera. Merci Seigneur. Voilà. Donc, j'ai utilisé le gel aloe vera. Mais je dois acheter les différents gels aloe vera. Mes produits finissent déjà. J'ai presque plus. Il faut que je dois faire des achats. Il faut que je fasse des achats. Mais le temps, le temps. Donc là, j'ai utilisé mon gel aloe vera. Ça, c'est ce que j'utilise pour mon corps. Car pour le visage, j'utilise, je vous ai montré ça dans d'autres vidéos là, non. Voilà, ça c'est pour mon visage, il y a encore un peu. Et ça aussi, pour mon visage. Mais comme ça coûte un peu plus cher là, j'utilise vraiment avec économie. Regardez ça là, je me rappelle plus du prix, mais ça doit coûter 12 euros comme ça, ou 13 euros. Ou c'est 17 euros. Donc j'utilise ça doucement, doucement. Quand vraiment je suis coincée, qu'il n'y a plus de gel, là où il m'avait pas moi ma boîte, j'utilise un peu au fait. Donc, moi, j'ai utilisé, voilà, ceci, voilà, et mélangé à l'autre, et ceci, le matin.
Voilà, donc je vous ai montré mes gels à l'eau pour que je suis sur mon corps, sur ma peau. Et là maintenant, je vous donne les bienfaits de l'aloe vera. Voilà. L'aloe vera. Tout homme et toute femme doit avoir de l'aloe vera sur, dans un armoire caché quelque part. Car on ne peut pas avoir une belle peau sans aloe vera, selon moi. Je suis coach, je coach. C'est-à-dire, je vous établis des routines. Voilà, je vous donne des conseils pour la peau. C'est payant, c'est pas gratuit. Donc, donc si vous êtes un homme, vous ne connaissez pas trop quoi utiliser pour votre peau. Si vous êtes une femme, vous êtes un peu... Vous êtes le genre de femme qui n'avait pas trop la tête sur les produits beauté. Vous pouvez bien me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, et je vais vous allez m'écrire, vous expliquer votre problème. Et voilà, et vous coacher. Le prix, c'est abordable. C'est juste que... Je ne peux pas coacher 100 personnes, costellose. Vous voyez, non. Donc, c'est un peu, non. Voilà. Donc, vous avez un peu payé. Ça me donne un peu la motivation pour continuer à coacher. Parce que Donc, je vous donne une routine. Donc, comme je disais, l'aloe vera des très bons bienfaits pour la peau. L'aloe vera est thérapeutique. C'est ce que je veux dire. Ça soigne la peau. J'ai encore dit quoi? Ça soigne la peau. C'est-à-dire, vous avez des boutons, vous avez des lésions. Par exemple, vous prenez un exemple. Je travaille beaucoup. En français, c'est comment? Bah, avec mes mains et tout. Donc, c'est-à-dire, je vis seul avec mon fils. Donc, lorsqu'il y a un amour un peu à monter ou il y a un changement de position que j'ai envie de faire, je fais tout seul. Je tire l'amour là-bas. Je tire ceci là-bas. Donc, parfois, j'ai des égratignures. Et je suis une fille claire de peau. Lorsqu'on a les égratignures, ça se voit directement. Et les égratignures ne nécessitent pas un pansement. Donc, c'est pour cela que parfois, quand mon égratignure fait 3 jours, 4 jours, je vois que ça sèche, je mets mon gel aloe vera 90%. Je mets le pourcentage doit être quand même élevé à 90% pour être sûr que dans le gel qu'il y a là, avec tous les composants du gel là, il y a au moins 90% d'aloe vera inclus. Donc, ça va venir m'aider pour la cicatrisation de ma blessure. Et lorsque ça sera cicatrisé, la cicatrice va entrer dans la peau. Ce qui fait en sorte que ça ne sera pas trop moche à voir pour ma peau. Actuellement, j'ai une cicatrice sur la cuisse qui est sortie, où j'ai gratté, où j'ai seulement senti quand la blessure commence à me piquer, au fait. Ça commence à me picoter, j'ai seulement vu. Moi qui aime les mini, j'adore les mini. Il y a une culotte, je suis toujours à la maison, il y a une culotte. Toujours à la maison, en été, si tu voulais en train d'exposer mes cuisses comme ça, il y a ce cas, tout ça. Donc, j'ai mis l'aloe vera 3 jours, 4 jours. Quand ça commence à ne pas sécher là, non. Vous mettez l'aloe vera, vous allez voir la cicatrice va entrer dans la peau. Ça va être noir. Ma peau, vous allez mettre les produits pour les taches là. Mais la cicatrice sera vraiment jolie à voir, pas trop comme une cicatrice qu'on n'a pas entretenue. C'est l'aloe vera. Ça va venir entretenir vos cicatrices. L'aloe vera encore hydratante, c'est-à-dire, si vous avez une peau sèche, surtout nous qui mettons un peu de Johnson, ou bien pour celles qui mettent beaucoup de Johnson, si ça éclaircisse beaucoup la peau, parce que l'éclaircissement de la peau, le Johnson, ça nécessite beaucoup de gommage, beaucoup de... La peau est sèche. Ou bien, c'est même pas seulement le Johnson. Parfois, il faut seulement arrêter les histoires de Johnson. Parfois, même les filles qui sont noires de peau là, elles ont une peau sèche jusqu'à malgré le beurre de karité là, la solution là, c'est pas le beurre de karité, c'est l'aloe vera. L'aloe vera hydrate la peau. Non seulement parce que le beurre de karité, moi je vais faire un truc, je vais faire une vidéo sur le beurre de karité. Voilà, son mauvais côté c'est que ça colle trop la peau, c'est lourd, sinon c'est très enrichissant pour la peau. Mais l'aloe vera, c'est ça, non, le gel. Pour celles qui ne connaissent pas, voilà le gel comme ça. Je peux mettre devant vous parce que bientôt là, je vais aller me laver et je vais mettre l'aloe vera sur mes vergetures. Voyez, non? Voyez? Voilà. Pour c'est léger. Mais ça là, ça sent bon. L'aloe vera de Izana, ça sent trop bien. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir l'aloe vera de Izana acheté, ça sent trop bon. Donc, allez à l'aloe vera de Izana, si. Par exemple, si vous utilisez, c'est léger sur votre peau et ça entre dans la peau. C'est
efficace. C'est efficace. Ça hydrate efficacement. Comment ne pas aimer le gel aloe vera? Je ne sais pas. Bon, ça hydrate la peau. N'hésitez pas à utiliser l'aloe vera comme hydratant. Surtout ceux qui font les gommages le soir en journée. Comme crème, utilisez l'aloe vera. Comme crème, utilisez l'aloe vera. Au lieu d'utiliser Dove, Vanilla là. Je déteste la crème là jusqu'à... Ou bien... Neutrogena. Pardon. Utilisez l'aloe vera. Vous restez comme ça en journée. Voilà. Donc, c'était mon conseil pour les bienfaits de l'aloe vera. On me dit qu'elles utilisent l'aloe vera naturellement. Elles achètent la grosse feuille là. Elles l'utilisent naturellement. En Afrique, c'est possible parce que peut-être ça peut pousser là-bas. Sinon. Mais tu es en Europe. Tu peux utiliser la grosse feuille là. Hmm? Tu penses que ça a grandi comme ça jusqu'à être long comme ça. C'est pas par les engrais, les pesticides. Les produits qu'on fait, qui vont faire en sorte que ça va grandir très rapidement et on va venir vous voir, on lui dit que c'est le bio. Ce n'est pas le bio. Moi, je n'appelle pas ça bio. Hein. Voilà. Les produits bio sont les produits qui ont été, qui ont été traités naturellement sans pesticides. Ou c'est pesticides, ou c'est pour. Donc, c'est ça. Donc, moi, je ne suis pas trop dans ce bio de l'aloe vera. On va l'acheter, on va couper, on va mixer. Moi, d'abord, pour moi, c'est pas bio. Voilà. Moi, je fais confiance beaucoup aux produits allemands. Vous allez voir, beaucoup sont des produits allemands. Il faut savoir que lorsque les Allemands disent que c'est 90%, il y a 5% de chances que ça soit pas vrai. 95% de vérité dans ce qu'ils disent. Donc là, je vous montre les produits allemands. Voilà, je sais pas dans d'autres pays comment ça se présente. Donc, si vous êtes dans d'autres pays, vous êtes sûr, vous voulez être sûr que vous utilisez du bon produit aloe vera, voilà, du bon gel. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est en Allemagne, voilà. Ou peut-être que vous voulez une commande, une grosse commande même de 100 gels comme ça. Vous pouvez me contacter, je peux vous faire ça et je vous envoie dans le pays où vous êtes pour vous aussi vendre. Parce que là, ceci, c'est un très bon gel à l'aloe vera. Ceci, c'est aussi un très bon gel à l'aloe vera. La marque Betty, je pense que c'est néerlandaise ou bien c'est quoi? Voilà, Nidelland, ce sont les Pays-Bas. C'est aussi bien, mais pour ce produit-ci, vraiment, pour ce produit-ci, moi, je pense que ça soit 92% inclus. Hein. Je vous dis la vérité. La façon dont, je n'ai pas trop aimé ce produit-ci, mais je vais toujours acheter parce qu'il me faut toujours, de la réserve à l'aloe vera. J'adore l'aloe vera. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé des bienfaits de l'aloe vera. J'espère que vous avez compris que pourquoi c'est important d'utiliser l'aloe vera. L'aloe vera va vous adoucir la peau. L'aloe vera va donner une peau fraîche. Comme pour moi là, vous voyez pas la peau. Vous pensez que c'est trop quoi comme ça. Moi, je fais les masses à l'aloe vera chaque jour, j'ai le curcuma. En journée, je me oins avec l'aloe vera. Parfois, lorsqu'il fait un peu froid, voilà, il faut que la crème soit un peu lourde. Vous allez me voir mélanger la glycérine et une crème. Et tout, mais il y a tout de l'aloe vera. Pour moi, le secret de ma peau, c'est l'aloe vera. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous procurer une crème à l'aloe vera. Voilà. Donc, passons à la pause publicité. Mes cheveux. Donc, moi, j'ai été coiffée. Bon, on peut dire coiffée, non, puisque la perruque, c'est la tête pour. Chez Pain La Bio Nature, n'hésitez pas vraiment à la contacter au numéro suivant que je vais mettre voilà, en bas. Voilà, son compte Instagram. Elle vend des perruques magnifiques. Vous allez voir les différentes perruques que j'ai de chez Pain La Bio Nature. Elle est juste magnifique. Elle est beaucoup au contact de ses clients. J'ai beaucoup aimé collaborer avec elle car voilà, elle veut vraiment que ses clients soient satisfaits. Donc n'hésitez pas à l'écrire et tout. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais qu'aujourd'hui, vous allez beaucoup vous étonner. Mais pourquoi je suis active comme ça et tout. Voilà, j'ai décidé de rendre la vidéo un peu plus active parce que beaucoup de gens, voilà, lorsque je parle d'aloe vera, ils veulent un peu dormir.
Moi, mes critiques, je fais beaucoup de vidéos sur des produits éclaircissants. Voilà. Et je ne fais pas assez de vidéos sur des produits comme de l'aloe vera. Mais il faut savoir que lorsque tu parles d'aloe vera, on pense que tu veux mentir, on pense que tu ne veux pas dire ton secret aux gens. Et pourtant, tout chez moi, c'est la routine. Lorsque vous avez une très bonne routine, n'hésitez pas à penser que vous aurez une très bonne peau. Et l'aloe vera doit faire partie de votre routine. Donc, j'espère que vous allez vraiment, vraiment acheter l'aloe vera. J'espère que vous allez inclure l'aloe vera dans votre routine. Et j'espère vraiment, 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 vraiment que ça va fonctionner pour vous. Car j'aimerais vraiment que tous ceux qui me suivent puissent avoir de bons conseils venant de moi et que ça puisse marcher sur eux. Donc, vous passez une très, très bonne journée. Si c'est en journée chez vous, une bonne soirée sans soirée chez vous. Voilà, et un bon début de week-end à partir de demain. Bye!